J'ai parlé aux autres et j'aimerais réunir tout le monde pour dire au revoir. Vous savez, à Sam. Merci. Ça ne serait pas pareil sans vous. Tout sera prêt dans quelques jours. Matteo nous a parlé du voyage de ton pèlerin. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas? La signification de l'unité? Quoi? Vraiment? De multiples univers? Attendez, est-ce que je comprends bien ce que vous essayez de me dire? Oui, j'aimerais bien un peu plus de détails. Je n'ose pas imaginer tous les changements physiologiques qu'il faut traverser pour passer d'un univers à l'autre. Est-ce que ça fait à l'esprit? L'illumination ou l'inconscience? Comme le chasseur? Vous avez l'opportunité d'atteindre ce qui se rapproche peut-être le plus de votre Dieu. Et vous avez des réticences? On s'approche pas de la vie après la mort sans quelques appréhensions. Vous avez raison. Nous devons voir l'unité de nos propres yeux. Sans vouloir couper cette grande histoire, j'ai réparé l'iris. Il y a eu des pleurs, mais ça cligne encore. Préviens-moi quand tu veux savoir ce qu'il a vu. Désolé. J'étais perdu dans mes pensées. Ces dernières images du Léris proviennent des confins les plus éloignés de l'espace connu. Sont peut-être les dernières pièces à ne pas être aux mains des Astriens. Amuse-toi bien. Vaisseau en approche. Vous venez d'entrer dans l'espace de la Confédération Liberastra. Maintenez votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande. Et c'est bon pour nous. Profitez bien de l'air d'Aquil. Portée.
capitaine. On bascule sur les moteurs standards. Tour de navigation semble correct. On est au bon endroit. J'ai quelque chose pour vous. Je peux vous aider ? Et voilà notre nouveau... Je suis sûr que vous...
Ok, pas de problème. Tout m'a l'air en règle. Je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi. On dirait qu'on est parti depuis une éternité. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, ô infaillible. Thank you.
entrez dans l'espace de la Confédération Liberastra. Immobilisez-vous le temps que nous scannions votre vaisseau. Très bien, tout est bon. Bienvenue à Aquilet. Saut terminé. Propulsion classique restaurée. Bouclier activé! On a perdu la promotion. On est toujours en un seul morceau. Thank you.
moteurs décélèrent. Les systèmes sont ouverts. Atterrissage. Vin aurait adoré travailler sur une planète aussi pleine de vie. Attention à tous, j'annonce un code jaune. Toutes les sections sont maintenant verrouillées. Personnel senior, protocole Delta. Hugues, terminé. Voilà, je suis à vous tout de suite. Ethan Hugues, responsable de la sécurité. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous emmener à la directrice. Nous allons prendre l'entrée des artistes. Vous voyez ici notre magnifique zone de stockage. Ne touchez à rien. Qu'est-ce que... Oh, on se calme.
Qu'est-ce que c'était que ça? Vous étiez en train de me suivre et d'un coup, plus personne. Et une minute plus tard, vous sortez de nulle part, comme si vous étiez au beau milieu d'un combat. Dans notre salle de stockage, je n'aurais jamais dû vous laisser entrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Une technologie de furtivité? Pour qui travaillez-vous? Écoutez, je n'y comprends rien. Allons voir la directrice. Elle y verra peut-être plus clair. Venez, c'est par là. Qui est là? Oh, merci, mon Dieu. Enfin, quelqu'un est venu. Le signal de détresse. Vous avez capté le signal de détresse, c'est ça? Ça fait si longtemps. Je n'ai plus de nourriture, plus d'eau. Mais j'ai tenu. J'ai... Attendez, comment vous avez fait pour entrer ici? Hugues? Ethan Hugues? Mais il est mort. Non. Non, 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 ça n'a aucun sens. À moins que... L'accident. C'est peut-être un autre effet secondaire de l'accident. Si la sonde envoie encore de l'énergie dans la distorsion, alors... Oui, pardon. Il y a 3 mois, je calibrais une expérience dans notre labo de recherche sur les énergies supérieures. Il y a eu un accident. Une explosion. Ça a entraîné une fuite de gaz qui a provoqué un incendie. J'étais coincé dans la salle de contrôle. Je n'ai rien pu faire. Et... Ils sont tous morts. Un artefact. Vous voulez dire l'objet métallique? Nous devrions... Attendez. Oubliez ça. Très bien, nous arrivons. Hugues, terminé. J'étais en train de prévenir la directrice. Allons-y. Allons-y, par ici. S'il se passe quoi que ce soit, le bureau de la directrice est au premier, au bout du couloir. Vous ne pouvez pas le rater. Par ici. Maria. Ah, entrez. Kaya Patel, directrice de la recherche. Et voici notre responsable scientifique, Maria Hugues. Ethan dit que vous avez... disparu? Juste devant lui? 2 fois? 3 fois? Directrice, vous ne prenez pas ça au sérieux. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous faites ici, mais il y a forcément une explication rationnelle à tout ça. Un artefact? La source de la distorsion? Non, nous n'en savons rien. Éclairez-nous. Le multivers? D'autres univers? Vous avez raison. Cela va bien au-delà de ce à quoi nous nous étions préparés. Et vous avez eu une connexion antérieure avec eux, alors? Je me demande si c'est pour ça que ça n'affecte que vous. C'est une affirmation audacieuse. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Dites-nous en plus sur cet autre univers. Raphaël? Raphaël est mort dans l'accident. Attendez, une fuite de gaz? La fuite? Directrice, il y a eu une fuite d'hydrogène juste après l'accident.
elle a été contrôlée en une minute ou deux. Mais si ça n'avait pas été le cas, elle aurait bel et bien pu causer une explosion. Mais un autre univers, c'est un gros morceau à avaler. Nous n'en sommes pas sûrs. Raphaël était dans le labo près des commandes de la ventilation. Il aurait pu l'arrêter. Peut-être qu'il l'a fait, ou qu'il est mort en essayant de le faire. Vous voulez dire l'autre Raphaël ? Non. Comment pourrait-on faire ? Raphaël était un collègue et un ami. S'il y avait un moyen de l'aider, je le ferais. Mais ça me paraît peu probable. Ce complexe ainsi que le niveau des recherches 2 kilomètres en dessous ont été construits pour étudier une distorsion gravitationnelle, cet artefact et le champ qu'il crée. Il y a 3 mois, notre ingénieur principal, Raphaël, calibrait une sonde expérimentale quand quelque chose a mal tourné. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Il y a une série d'explosions et pourtant, elle fonctionne encore. Ce serait logique. C'est pour ça que le champ de force ne cesse d'augmenter. La sonde a une unité de contrôle. Après l'accident, j'ai essayé d'éteindre le système avec. Mais le dispositif d'arrêt d'urgence ne répond plus. Nous pourrions l'arrêter manuellement, mais le niveau des recherches est scellé. Nous ne pouvons même pas y descendre. Comment ? Je vous ai dit que le niveau des recherches était scellé. On peut même pas utiliser ce foutu ascenseur. Quoi ? Malin. Dans l'autre univers, Raphaël a survécu. Il est sorti du laboratoire. Donc ça veut dire que son ascenseur fonctionne. Prenez-le et vous arriverez peut-être à mettre un terme à l'expérience. C'est dingue. Mais avant toute chose, nous devons faire quelque chose pour vous traverser. Maria, est-ce que les autres commandes fonctionnent encore ? Est-ce qu'on pourrait ajuster le taux d'échantillonnage des particules ? Ou le voltage du rayon ? Vous plaisantez ? On n'a aucune idée de ce qu'on fait. Ce truc est déjà en train de modifier l'espace-temps. Ça risque également d'empirer si nous ne faisons rien. Pour l'instant, je crois que c'est notre meilleure option. Très bien. On peut toujours essayer. Bien. Donc nous avons un plan. Venez avec moi. L'unité de contrôle est dans le labo de fabrication, juste à côté. Dans quoi on s'est embarqué ? C'est vous ? Que s'est-il passé ? Vous avez disparu et le plafond s'est effondré et j'ai cru que j'avais fini par perdre la tête. Quoi ? Comment ? Écoutez, ce n'est pas facile ici, mais c'est encore pire là-dessous. Je m'en suis à peine sorti et c'était il y a des mois. Je n'y comprends rien. Si je n'avais pas vu votre disparition de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Mais... D'accord, vous êtes mon billet de sortie, on fait comme vous dites.
On peut passer par la remise. Voilà la clé. Je vous couvre, c'est ça? Brèche de sécurité. Allez, allez! Vite, vite, vite! Oui? Regardez ça. Comment le saurais-je? C'est vous qui disparaissez et réapparaissez sans prévenir. Je veux juste pouvoir partir d'ici. Allez faire ce que vous devez. Et je vais nous dégager un passage jusqu'à la porte. Je suis pas sûr. Peut-être que ça mettra fin à ce qui vous arrive. Ça me semble raisonnable comme théorie. C'est une espèce locale. Nous avions un champ de pulsions électriques pour les éloigner. L'incendie a flingué les générateurs et endommagé les fondations. Elles arrivent sans relâche depuis. J'étais en train de travailler sur la calibration de la fréquence de la sonde au labo. Je sortais juste de la salle de contrôle quand c'est arrivé. J'ai entendu les réservoirs se fissurer. L'alarme. Je n'ai eu qu'une seconde pour réagir. Je me suis précipité à nouveau dans la salle de contrôle. Les portes se sont fermées. J'étais en sécurité. Loin du gaz, du feu, de tout. Mais j'étais coincé. Je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Si j'étais parti dans l'autre sens, j'aurais peut-être pu atteindre les commandes de la ventilation, éteindre le système, quitte à en mourir. Je ne sais pas. Je ne veux pas y penser. Qu'est-ce que... Oh, c'est vous. Vous réalisez que vous venez d'apparaître dans mon bureau fermé à clé? Autant pour la sécurité. Bien sûr. Pas que ça puisse vous arrêter de toute façon. Et c'est terminé. Il vous fallait autre chose? Il est plus grand que vous ne l'imaginez. On a un accélérateur de particules et tout un complexe, le labo de recherche sur les hautes énergies. Le tout à la pointe de la technologie. Je pourrais pas vous expliquer un dixième de ses capacités. Thank you.
Quoi ? Vous arrivez à vous perdre dans le couloir ? Ah. Très bien. Voilà l'unité de contrôle de la sonde. La plupart de ses commandes ne répondent pas. Je vais ajuster les paramètres disponibles très délicatement. On n'a aucun moyen de savoir ce qui va se passer. Faites attention et préparez-vous à tout. Je vais commencer en ajustant le couple énergétique du rayon d'électrons. On est à 93 teravolts. Calibration à 95, 97, 100. Rien. On va essayer dans l'autre sens. 91, 89. Ok. Ça a l'air sans danger, mais... Qu'est-ce que c'est ? C'est une micro-distorsion. La disposition des flux correspond à la distorsion du labo. Ce paramètre ne fait que l'exposer. Avancez dans la distorsion, s'il vous plaît. Écoutez, quoi qu'il se passe ici, ça ne m'affecte pas. Vous voulez laisser tomber tout ça ? Très bien. Sinon, avancez dans le champ. Rien. Attendez. Il y a un léger changement de disposition, une sorte de résonance. Restez ici. Laissez-moi augmenter à nouveau le flux. Calibration à 90, 91. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? Bon, un flux bas permet aux distorsions de se manifester, et un flux haut vous fait traverser. Ça semble prometteur. Restez sur un flux bas jusqu'à ce que vous vouliez traverser. Vous devriez pouvoir éviter d'autres incidents. Je vous donnerai bien mon unité de contrôle, mais apparemment vous en avez déjà récupéré une dans l'autre univers. J'adorerais y jeter un œil quand tout ça sera terminé. Tout à fait. Si vous parvenez à descendre, vous devrez aller jusqu'au labo de recherche sur les énergies supérieures. Désenclenchez les verrous de sécurité et tirez les commandes d'arrêt d'urgence pour éteindre la sonde. Ça devrait enfin arrêter tout ça. Oh, avant que vous ne partiez, la directrice voudrait vous parler. C'est vraiment juste au bout du couloir. Bien. Tout est prêt ? J'ai demandé au docteur Barakova de s'occuper de vous s'il vous faut du matériel. C'est le moins que je puisse faire après tout ce que nous vous faisons traverser. Avant que vous partiez, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Si cette expérience est la cause de vos traversées, la stopper devrait permettre de les arrêter. Et que se passe-t-il après ? Pour vous. Et pour nous. Oui. Et nous ? Nishina est un système clos. Deux états potentiels, maintenus sous tension. Lorsque vous arrêterez l'expérience, cette tension se dénouera. Vous êtes l'œil externe au système. La réalité dans laquelle vous vous trouverez à ce moment-là sera celle qui subsistera. En tout cas pour vous et votre univers. La question est... lequel choisirez-vous ? Hmm.
Si le choix était entre ma vie et celle de Raphaël, je vous demanderais de le sauver, lui. Mais en tant que directrice de la station, je suis responsable de mon personnel. 30 personnes. Des personnes avec des familles, des carrières, des futurs qui les attendent dans cet univers. Vous n'avez pas à décider maintenant. Mais lorsque le temps viendra, gardez ça à l'esprit. Bien. Vous vouliez y aller, je crois. Le réseau étant coupé, nous ne pouvons pas désactiver le système de sécurité du niveau des recherches. Donc, attendez-vous à un comité d'accueil. Ethan, déverrouillez l'ascenseur de l'entrée, je vous prie. Madame, le niveau des recherches est toujours sous scellé. J'en suis consciente. Je... Très bien. C'est fait. Bonne chance. Ça a été une journée fascinante. Tatiana Barakova, médecin. Je peux me séparer de quelques kits de soins. Au-delà de ça, je ne suis ni votre thérapeute, ni votre psychologue, et encore moins votre esthéticienne. Pour toute autre chose, demandez-moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Laissez-moi voir ça. Bougez pas. Voilà. Je crois qu'il me reste quelques bricoles en rab.
confinement de sécurité est actif. Les commandes de contournement d'urgence sont disponibles sur les terminaux de sécurité spécifiés.
fonctionnement de sécurité est actif. Les commandes de contournement d'urgence sont disponibles sur les terminaux de sécurité spécifiés.
d'urgence sont disponibles sur les terminaux de sécurité spécifiés.
Vous êtes de retour. J'ignorais si vous étiez encore en vie ou... ou si vous alliez revenir pour moi. Je veux dire, je ne voudrais pas paraître ingrat, mais... pourquoi avoir refusé de rester dans l'autre univers ? C'est de bonne guerre. Mais sachez que j'apprécie votre geste. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai récupéré quelques bricoles dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez aussi prendre tout ce que vous trouverez dans les parages. Ça ne manquera à personne. Quant à moi, je vous suis redevable. Si jamais vous avez besoin d'un ingénieur, faites-le-moi savoir. Maintenant, quittons ce maudit caillou.